Allez, go les... Go la croisée, les... Go la croisée, non, ça c'est pour le plus tard. temps, c'est de l'argent. Bon, j'ai quelque chose qui vous intéresse. Regardez s'ils vendent pas un truc qui vous intéresse au cas où. Parfois, il y a des trucs cool. Zoramgar, c'est ça, voilà. Il y a Zoramgar qui fera la jonction. Tu dois peut-être pas l'avoir, lui, par contre. Zoramgar. Je sais pas ce que c'est. C'est un camp qui est juste à côté de Brasse Noire. Mais après, c'est côté Horde. Est-ce qu'il y en a un côté Alliance? Non, bah j'en vois pas. Enfin, avec Quest. Je fais manade vite fait. Ouais, oh, pas de soucis, t'inquiète. Fait. On est au Tarid. Donc là, généralement, ce qu'il faut faire, c'est attaquer la croisée et se faire one shot par Sargra. À peu près. C'est encore deux pour l'Alliance, ça sera Astranar, d'accord. Ça, c'est nul l'Alliance. C'est nul l'Alliance. Salut le messager. Putain, je suis au Tarid en tant qu'humain, j'ai l'impression d'être un traître. C'est trop bizarre. Ah mais oui, c'est hors de... Et ouais. Ah, on a des habitudes, Pookie. Hein. Donc ouais, donc Questia, attendez, les je ferai un Décoroco, par contre. Parce que je crois que pour que les add-ons soient pris en compte, il faut Décoroco. Mais j'ai installé donc Detail et Questia. On est bon. Tout ce qui m'intéresse. Et donc Questia, ensuite, il faudra que je le customise de manière à ce qu'il m'affiche les quêtes à prendre, mais pas où sont les quêtes à faire. Ils sont pas affichés dans les add-ons quand tu fais shop? Ah, peut-être, c'est vrai que. Bah, attends, ça peut peut-être marcher comme ça. Attends. J'ai même pas l'onglet add-on. Attends. Là. Ah, ok. Ouais, non, là, je pense que la première fois, il faut peut-être quand même des Koroko. Attends, peut-être un reloaduit au cas où. On va essayer. Hop, reloaduit. Voilà. Ouais, si, c'est bon. Le reloaduit a marché. Voilà, ok. On va re-reload. Ok, nice. C'est bon. Et ouais, la puissance du reloaduit, les gars. Oh là là. Alors, mieux vaut passer par la gauche, parce que là-bas, il y a... Bah, ah y bah, oui, il y a la croisée, quoi. Alors... Donc, faut aller à gauche. Bon, Detail, ça, je connais. Mais sinon, en suivre, hein, si tu veux. Hop. Comme ça, tu fais tes add-ons. Non, ça va aller, t'inquiète. On va mettre le kikimeter ici, ça me paraît pas mal. Ah, c'est trop bien, oui, on voit toutes les quêtes à prendre. Ah, trop stylé quoi aussi, par contre. Ok. Allez, on va vraiment toutes les quêtes à prendre. Ok. Ouais, ça c'est stylé de ouf. C'est vrai qu'on va pouvoir prendre les quêtes aussi qui sont au-dessus de... Qui sont au-dessus de, du donjon. L'éclat luminescent. Et ouais. Ok. Alors... Ah, je suis pas passé dans la croisée là. Putain, j'y suis allé en mode... Tout va bien. Tout va bien. Trop l'habitude d'y aller. Ok, ça ne change pas le journal là. Alors, contrôle, clic gauche. Non. Clic gauche. Ok. Alors la question c'est où est-ce qu'il y a le truc sur Questy? Bon, on verra ça. Tu peux modifier le paramètre Questy? Ouais, non, je vais... Bah, en fait, je veux juste... Quand t'appuies sur ta map, t'as un point d'interrogation en haut à droite de la map. Alors, map. Ah oui. Non, c'est pas ça. Clic droit. Ah voilà. Option Questy. Alors. Retire un message Questy. Oui. Questy shut up, ça oui. Bonjour. Bonjour. Show only quest. Ah show all level quest. Oui. Je veux même les quêtes bas level. Moi je veux clean. Je veux. Show quest between two set level. Ok. Alors attendez, là les gars, il va falloir monter à droite pour aller prendre les quêtes au-dessus des lames. Il y a plusieurs chemins, on peut soit passer par ici. Hop. C'est vrai que je peux faire ce que je veux avec Art-like là, comme il me follow. Nice. Merde, c'est pas... Bon, on va le faire après. Salut Ansage. Il me semblait qu'on pouvait monter par ici avant. Ok. Quelqu'un a déjà joué Hunter, je vois plus mon pet. Ah, t'as un spécialiste du Hunter, Ensage en chat là, tu as Pookie. Il est mi-pet, mi-chasseur. Art like, il est heureux. Non, là, faut passer à droite, les gars. À droite. Vers l'herbe, en fait. Suivez l'herbe et vous allez pouvoir remonter. Voilà.
Yes, là où va Zalimbo. En haut, ça, on passe à droite et on monte sur l'herbe. Tac. Et là, on va à gauche. Gauche, non, Zalimbo. Zalimbo, reviens. Par là. Je sais jamais si c'est l'œil de gauche ou l'œil de droite. Peu importe, les deux sont ouverts. Non, non, non. En fait, si tu vas dans l'un, tu peux aller dans l'autre. Ah bon? Oui. Ok. Je crois que c'est celui de droite. Moi, j'ai toujours sauté. Je vois, je suis à droite sans réfléchir. C'est juste que celui de droite, on peut tomber aussi trop bas. Ah oui, il y a un mec à droite, donc c'est là. Hop là. Toi, ici, tu peux pas aller à gauche. Ah ouais. Évidemment. Ok. Alors, lamentation. Oui. Je vous attends. Ah, on marche doucement sur la montagne. Les étoiles vous guident. Ok, c'est bon, vous avez pris vous avez bien pris les deux quêtes logiquement. Yep. Ok. Alors on se rejoint devant, on va se buffer. Attends que c'est là, Zadim. Si vous voulez venir sur Discord, Solak et Arclike, juste pour écouter, hein, on y est sur mon Discord. Et sinon, go, bah les buffs sont faits. Là, il manque quelqu'un. Il manque Solak, qui doit être en train de prendre les quêtes au-dessus, je pense. Vas-y. Oh, je vais pouvoir avoir le kiki metteur, trop bien. Je pourrais en voir que je suis bien derrière. Ah! Ah, c'est Wabzou. Ah non, c'est Natat. Ah! Bien sûr. Ok. Ah merde, on aurait dû prendre la quête du porteur, Ratchet. Oublié. Je la connais en plus, celle-là. On peut la prendre? Ah bon? Bah non. On va pas retourner à Ratchet à pied, hein, la flemme. Non, mais est-ce qu'on peut la prendre? Je sais pas. Ah oui, c'est auprès d'un gobelin. Logiquement, attends, je regarde avec Westy, mais logiquement, oui. C'est un random gobs qui la file. Ouais, ouais, partout, doc, c'est pas grave. Ouais, je vous ai perdu de vue. Ah non, mais vous avez pas avancé, autant pour moi. Je vous ai confondu avec des. C'est vrai qu'on aurait pu le prendre. Oh, après, c'est. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est dehors, donc Zela est là. Attends, il manque. C'est Zadim. Je pourrais. Ah, il est là. C'est vrai que tout le monde est petit dans cette faction. À part Xela. Ok, je crois que Arclike il arrive sur Discord. Voilà, salut Arclike. Et est-ce que Solak tu. Alors t'es pas obligé de venir, hein, Solak, hein, je veux pas venir, pas de problème. Je veux savoir si tu viens ou pas. Et sinon, bah, tu seras sur Discord. Peut-être au niveau 18 que je pourrais taper les gens. Ah oui, des Koroko, c'est vrai qu'il a dit. Ok. Ça c'est bien urbain. En plus t'es quel level là? Tu les fais 4 par 4 là, folie. Folie là. Ouais c'est. Ça a plu. Putain les vie pique. Salut. Yo. Bonsoir. Et salut. Tout le monde est là? Eh ben on est parti. En avant. Il me donne pas à moi, je suis le tank. Bah non, ah oui. Il m'a donné de la mana. Eh, peut-être que t'en auras besoin. Je sais pas. Donc là les quêtes qu'on a quoi? Les déviants, ça c'est à l'intérieur, on peut tout faire. Pot de déviant, faut pas hésiter à buter un max de mobs à l'extérieur. Ouais, c'est les deux quêtes. Pot de déviant, logiquement on aura pas tout en run, donc faut pas hésiter vraiment à massacrer à l'extérieur, mais après je me dis qu'ils se font déjà... Ils se font déjà éclater. Hein.
Il faudra récupérer le porto, donc on peut faire les deux. Oui. En même temps après. Ah, il y a même les mobs dans la flotte sont morts, putain. Carnage. Ah ouais, là c'est grenouillard plus plaid. Ah ouais. Ouais, y'a que deux quêtes. En fait, en tout, il y a 5 quêtes Arc-like, mais il y en a certaines qu'on peut pas faire, je crois que c'est que côté Horde. Il y en a une troisième qu'on a oublié de prendre à Ratchet. Il y en a une qui a Thunderbluff, donc ça on peut pas. En tant qu'allianceux, je dirais qu'il y a 3 quêtes. Et il y a celle du donjon, non? Où on n'a pas le droit aussi. Ah, Mutanus, oui, c'est pas une quête. Il apparaît jamais en quête, c'est un event. Mais oui, oui, après l'éclat luminescent, aussi c'est auprès de Ratchet, et ensuite, après c'est auprès d'une taurenne qu'on le valide. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Peut-être que c'est une taurenne neutre, je sais pas. Donc Zéa, t'es le tank, hein, c'est ça? Yep. Eh bah, go! Go buter les mobs. Je t'en aggro un derrière aussi. Allez, c'est parti, les gars. Ah, il manque des gens, merde. Ah, c'est Arc-like. Bon, Arc-like! Ah oui, c'est que maintenant il y a la connexion en deux. Oh là là, ça va changer la vie, ça. J'ai plus connexion, mes spells. Ah merde. Toi, est-ce que tu utiliserais pas une interface lourdement modifiée Arc-like par hasard? Est-ce que t'es un connard qui utilise? Est-ce que tu fais partie des gens qui utilisent LVI? Vas-y. On va attendre. Si vous voyez les mobs, hein, chopez-les. En attendant, mais devant. Ah, bon, il est loin l'autre. Okay. Tout le monde, il est là. En avant. On va voir s'il nous buff mieux que toi. Non, il nous buff pas. Ça veut dire que ton buff est meilleur. Ou alors, parce qu'on est allié. On va voir. Si, il buff. Ah ouais? Il buff, ouais. Mais il est moins bon. Ok. Ah, mais donc, ouais, ça. C'est parce que je l'ai déjà. Et donc, résultat, non, mais il est moins bon son buff. Ouais, mais Rita, c'est pour ça. En fait, un mauvais buff ne peut pas écraser un bon buff. Oui, oui, ça je sais, mais j'ai fait clic droit dessus en fait. Pour l'enlever. Ah oui, non, mais. C'est pas grave. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est con que Zéla. T'as le bonus mais de cac, oui. Mais y'a aucun cac. C'est dommage. C'est pas grave. Allez, tant qu'il y a un mob, je reste en chat et je passerai en ours. On va les éclater de toute façon. Après l'avantage qu'en ours tu garderas l'aggro, ce sera pratique. Je sais pas si tu la gardes en chat. Alors si Artlike met des AOE, non je l'aurais pas. Ah bah il arrive. Il tape hein. Ah direct là. Oh non en vrai non. Je tape plus du coup. Oh bichette. Après côté positif. S'il y a un truc d'endurance ou d'agilité, tout est pour moi. Ah oui, là tu vas te faire plaisir. Force, endu, agi, là oui, c'est. Fais ta plaisir. Je vais mettre de lacération. Mage tank, tu méta. Eh, il y a bientôt le démo tank, pourquoi pas le mage tank en vrai.
C'est con, ça marche pas sur la baguette, le bâton, le ton truc ça. Oh là. Oh là, ah oui, c'est mon pet, il est. Oui, il y a mon pet qui est un peu chaud. Excusez-moi, attendez, je vais le calmer un peu. C'est ma faute, my bad. Bonne nouvelle, il va se faire éclater. Il va être puni. Ah, il s'est fait enculer la gueule. Ça m'étonne, hein. Allez, viens, Micheline. Ah bah, elle s'est transformée. Ah oui, mais la différence entre Pookie et moi, Niben, c'est que Pookie, il a 15 000 heures en Hunter. J'en ai même pas 150 en démo. C'est la petite nuance. Oula, qu'est-ce qui s'est passé? C'est normal, en fait, en gros, quand un raptor meurt, il a pas le ses copains. Tout est normal. Petit aggro d'ectoplasme aussi. Oh, ça fait plaisir un donjon, il n'y a pas full resist. Qu'est-ce qu'il raconte le démon? Non, je pense qu'il a chuté Tadalaron, dans le doute. C'est un bâtard, c'est un petit diablotin de merde. Tiens, attends deux secondes, viens là. On va en profiter pour la faire maintenant, elle. Je te la poule. Voilà, elle arrive. Alors là, logiquement, il y a le bouclier qui va tomber bleu. Et on va être tous être très contents. Ah, il y a Zadni qui pourra l'utiliser, ceci dit. Eh ben, même pas, c'est le boubou blanc. T'es en full afflux aussi, ce lac? Ouais, ouais, pour le moment, oui. Ça marche. Je crois même que je vais rester comme ça. Dodo, bonne nuit. Ah, c'est vrai qu'ils vont s'enfuir. Okay. C'est quel niveau t'as cela? Okay. Je vais mettre la témérité. Emballé. Comme ça, il s'enfuit plus. Moi j'ai même pas de. T'as même pas quoi? Des mallets. Comment ça t'as pas de mallets? Bah, j'ai pas acheté les mallets. Mais pourquoi? T'as pas acheté des. Parce que je m'en sers pas. En afflux, tu utilises pas la mallet? Bah, la malédiction d'agonie fait un dégât. Non, tu sais, tout ce qui est. Non, pas la mallet d'agonie. Hein. Ah oui, tout ce qui est faiblesse, c'est témérité. Oui, voilà, tout ça. D'accord. Parce que je me disais, merde, la mallet d'agonie, c'est quand même cool, en afflux, de pas utiliser. Ouais. Je comprends mieux. Ok. Ah, bah, c'est vrai que la faiblesse, bon, elle est pas ouf. Par contre, la témérité, quand t'as des humains ou des mobs qui s'enfuient, enfin, les humanoïdes, bah ils s'enfuient plus, quoi. Ouais. Très pratique pour éviter les agros foireuses. Salut Dominique, bonsoir à toi. Il y a moyen qu'il y ait une belle agro là. Hein. Je vous préviens, parce que quand on bute le raptor, il y a des chances qu'il appelle ses copains. Il y a moyen qu'on finisse sur un joli combo d'agro. Hein. Justin. Je crois qu'il a pas eu le temps. Nice. Salut demain.
Joli. Nice. Tac. On passe notre vie en fait à faire des connexions en démo, putain. Big pool ready. Un nous du rêve. Toi tu as utilisé ta balise et tu as bourré comme un bœuf, c'est ça? Non, non, en fait, en gros, ce qu'il veut. Non, c'est normal, c'est normal. Logiquement, si je dis pas de conneries, il va pouvoir AO comme un porc et les défoncer. Logiquement. Si ça marche. Et si ça marche pas, il va être responsable de notre mort. Il leur fait mal, ceci dit. Parce qu'en gros, avec la balise, il peut. Peut se healer pendant qu'il tape. Et pour le coup, ça a marché. J'ai un fake. C'est débile en fait. Non, mais c'est mage tank, hein. C'est très très con le mage avec les. Avec j'aurais les. Dit, j'aurais pu juste en slip 1 loin. Ah bah non, justement si tu es en slip, ça en fait moins, un de moins à taper. 3 de force, 2 de cuir. Tu veux une pierre de soin, le temps j'imagine. Même pas trop parce que ça le démarre, Fandrine. Après, c'est, ouais. C'est jamais déplaisant une pierre c'est de soin. C'est gratuit, je le prends. C'est ça, voilà. En fait, je peux faire ça toutes les minutes, faut juste que j'ai mon mana. Oh, oui, non, mais. Ouais. Pas de soucis. Oh putain. Oh non. Faut qu'on ait pas en hardcore, on s'en sort. Ah, ça. Alors, au cas où, vous avez une option pour dire fermer sa gueule à Questy. C'est pas désagréable, je vous le dis. C'est un gros bouton, hein, ça s'appelle Questy Shut Up. C'est pas une blague. Plutôt sympathique. Quel plaisir de trouver un kikimeter. Ça, en plus ça pourrit pas trop l'interface, je sais pas ce que vous en pensez, tiens d'ailleurs, pas dans l'interface, j'ai oublié d'en mettre ça et ça. Ah oh, y'a un... Elle est où Anaconda d'ailleurs, parce qu'on l'a pas encore faite elle. Je sais qu'elle se TP mais... Enfin qu'elle les envoie différents mais quand même... Je la vois pas du tout. Tu le fais attaquer à la main à chaque fois ton diablotin, toi, Solak? Oui. C'est insupportable. Ouais, mais c'est mieux. Utile, mais relou, ouais. Après, il faut pas l'oublier. Ouais. Je sais pas à combien c'est limité de... De dot les mobs. Je sais qu'il y avait une histoire comme ça, classique. Pas vanilla. Ah, mais combien d'arrêts ici? Ah, le serpent, putain. J'étais aggro à notre mob. Il va en avoir besoin, lui. Ouh! Joli ça. Attends, on va tellement se faire la guerre dès qu'il va avoir un truc intel. Quel enfer! Vous en avez pas besoin, hein? Non. Excuse. J'ai ce lac. Oh! Garde la chance au rendre pour d'autres loots.
Bon, de toute façon, on va partager ça. Hein. Là, qui a l'anneau sur Mutanus, ça va se battre. Hein. Parce que là, le bâton du boss de fin bleu, je pense qu'on s'en bat tous les couilles. Ah, peut-être pas en druide pour le coup. C'est masse endue, enfin c'est endue esprit. Peut-être qu'en druide tank, ça va t'intéresser. De toute façon, n'importe quelle arme mieux que ce que j'ai là. Parce que nous, logiquement, enfin pour ceux qui ont fait les mortemines, on a tous le bâton des mortemines qui est génial. Donc... Ouais, elle est là-bas, Damien. Voilà. Elle est là-bas, ouais. Micheline. Ouais, faut, je sais pas, avec la maille d'agonie, je pense, je vais le mettre. Ou avec l'immolation plutôt. C'est genre, je commence toujours avec l'immolation. Tu connais le raccourci de la Macron, Iven ? Parce que autant le slash cast, bon, ça. Immolation très bien. Mais je sais pas comment on fait attaquer un pet en macro. C'est vrai que ça serait pratique s'il pouvait attaquer en même temps pour l'immolation ce bâtard. Son petit bâtard de Diablo. Après, t'as pas forcément besoin de me healer, Zanuvir, regarde ta mana. Hein. On se heal nous avec notre hanté. Hein. Je vais juste slip le mec de droite. Non, attends, je pense qu'Arcla qui va tout vider justement. Oui, mais autant que j'en slip un, non? Pour être safe. Pas forcément, justement. Arcla, c'est toi qui choisis. Soit on fait 4, soit on fait 5. Soit on fait les 4, soit on fait les 5. Pas besoin si on me heal. Bah voilà. Et bah. Vas-y. Ok. Zalim, attends. Mage tank. Ah, oui, ah non, mais il va foncer dans là. En fait, il va vraiment tanker à ta place, tu vas voir. Je sais que c'est bizarre, hein, Ah, c'est pour mettre un heal. Ça. C'est pour mettre un heal. Allez, ok, crit, toujours. Je l'ai débuff. Ah, y'a plus rien là, c'est ça? Ah ouais, c'est la fin. Ok. Finir Anaconda. Après, ils ont pris effectivement quand même plutôt lourd. Bisous Arclike. Va pas trop loin, va pas trop loin. Qui se fait là mourir meurt. Voilà. Et en vrai, on va les finir tranquillement. Ton sacrifice n'aura pas été inutile. Finissez les plus bas en vie. Ok. On devrait le faire. C'est un média qui a l'aggro, merde. Mais t'as l'aggro de quoi, média? Je te vois pas. Gléma, bah, une fois que c'est... Non, c'est pas grave. Comme il est mort. Hop. Bon, en vrai, un pack pareil avec seulement 2 morts, c'est pas si mal. Sur moi, ça... Ah oui, non, voilà, clairement. De toute façon, un cast comme ça, Arclac, la seule manière que tu auras de le mettre, c'est avant. Hein. Y a aucune chance qu'avec un pack comme ça, ou alors Nova, effectivement, si on pète pas la Nova. Oui, bah bien sûr, ouais, c'est le tank à l'aggro. Le truc, c'est qu'à ce stade-là. Ah ouais, en gros, il les pack et tu fais le choc de flamme une fois qu'ils sont tous autour de lui et après tu bourres. Yes, ok, ouais. Ouais. Et après, il nova de glace s'il est dans la merde et il se casse. Après, c'est que sinon, logiquement, pendant la bénette prod, tu peux choc de flamme. T'es immune au physique. T'auras juste un anaconda qui t'aura mis les éclairs.